Salut à tous, on se retrouve avec ma nouvelle config que ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram ont déjà pu voir, la caméra sur le casque. Alors je tenais à vous remercier pour les 150 abonnés, c'est vraiment sympa, merci à vous tous, ça fait plaisir. Et bon, on va tester, malgré qu'il y ait beaucoup de vent, on va tester cette nouvelle config, on verra bien ce que ça donne. Avec un petit refus de priorité pour commencer, ça fait toujours plaisir. C'est quoi cette façon de partir une remorque là? Le matin, là, ça passe parce que tu es dans le même sens que les bagnoles. Donc, même si tu es sur la rue, à l'aise, mais là, c'est en sens inverse. Donc, quand tu arrives, tu sais quand. Hein. C'est là, il y a les cyclistes. Et les cyclistes. Je sais pas, ils nous aiment bien. C'est quoi ce gavé? Et les cyclistes. Genre, à chaque fois que tu vois un cycliste dans la rue, tu fais, et les cyclistes. Ah, Maurizio! Le gars, peut-être c'est un fan de nous, hein. Ouais. Peut-être que le gars il nous a déjà vu en vidéo, il a dû se dire, oh putain, c'est les cyclistes. Ah, ouais. Et il nous a kiffé. Oh, c'est serré, oh, c'est serré. Oh, c'était serré. Les autres ça passait, mais celle-là, c'était serré. Hein. Je croyais qu'il allait être serré en plus. Et au final, il est juste là, le gars. Ah, mais s'il nous avait pas bloqué, on serait déjà parti. Hein. Ouais, je suis déjà arrivé là. Ah. Ouais, on se faut 5 km plus loin en 2 minutes, même pas. On avait le feu vert en fait. À ton est. Bon, en tout cas, j'espère que au niveau du rendu, avec la caméra sur le casque, ça va aller. Je verrai ça après. Fais gaffe à droite. Comprendre pourquoi il y a des jours où il y a autant de monde. Je comprends rien du tout. Un jour il y a du monde, un jour il y a personne. C'est quoi l'envol? Et là je passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, bizarre. Le gars il s'arrête en plein milieu de la rue. Pas de clignotant, rien du tout. Bon voilà, pendant tout un petit moment, c'est-à-dire pendant 3 semaines, j'ai pas roulé parce que j'ai une douleur au poignet, mais de malade. Mais vraiment une sale douleur quand je plie le poignet. Avec plaisir. Donc j'ai vraiment une sale douleur quand je plie le poignet comme ça. Mais j'ai pris la voiture pendant 3 semaines pour aller au travail. Et là j'en avais trop marre des embouteillages. C'est incroyable le bordel que c'est en bagnole. J'ai repris le vélo. Alors malgré la douleur, eh ben tant pis, je roule moins vite. Serrer un peu plus le poing, ça diminue la douleur. Il y a moins de vibrations. Et du coup ça passe. Et puis au moins j'ai pas les embouteillages parce que la voiture c'est juste pas possible quoi. À Bruxelles c'est mort en bagnole.
trottinette avec une roue géante à l'avant. C'était space. Ça va, c'est serré. Ça passe. Bon, je suis un thug, mais là, c'est trop serré. Et ouais, il y a des rues comme ça qui sont vraiment mal foutues en fait. C'est bien, ils nous dessinent un beau vélo là sur la route. Mais bon, au final, les voitures, elles savent pas non plus se mettre ailleurs que là quoi. Et ça klaxonne. Mais les gens peuvent plus se garer tranquillement. Quel stress en voiture. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la bagnole, je n'ai pas supporté. Donc j'ai ressorti le vélo. Puis la douleur est moins vive qu'avant, j'arrive à tenir mon guidon. Au début, avec la douleur que j'avais, j'arrivais même pas à tenir mon guidon. Donc là, c'était juste pas possible. Mais maintenant, ça va. Ça serré, ça serré. Je dis. C'est la voiture, là. Quelle voiture? Elle chauffe. Ah ouais, les voitures chauffent, hein. Elles sont à l'arrêt. Elles sont à l'arrêt, il fait un peu chaud, elles font que chauffer. Elles chauffent, elles avancent pas. Ouais. Nous on chauffe mais on avance. C'est la différence. Allez, incroyable. Voilà pourquoi j'ai acheté un full suspendu, on me dit ça sert à rien en Belgique, la preuve que si, il y a des cratères dans la route. En tout cas, malgré cette vidéo peu croustillante, j'espère quand même que ça va m'aider à atteindre les 200 abonnés. C'est mon nouvel objectif ultime dans la vie, 200 abonnés les gars. Abonnez-vous un max, partagez-moi tout ça, ça serait sympa. Voilà. Voilà pourquoi les cyclistes sont mal vus, c'est grâce à ces gens qui traversent les feux rouges. C'est du beau. Voilà les amis, simple vidéo, simple balade, sans vraiment d'action. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut à tous, bye bye.